Bonjour à tous, bonjour Monseigneur Potvin. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Lors de la messe de minuit, le pape a exhorté cette nuit donc les fidèles à faire, je le cite, preuve de tendresse, de douceur pour résister aux circonstances les plus dures, aux guerres, aux conflits. Quel est le sens du message papal cette année ? Je dirais que la phrase est très simple, en même temps elle est tellement interpellante. Le monde a besoin de tendresse, c'est comme une évidence, l'actualité le révèle tous les jours. Et en même temps c'est un appel à ce qu'on se réveille, parce qu'il y a tellement de dossiers qui nous attendent pour la paix dans le monde et pour agir très concrètement. Et le pape d'ailleurs ne s'est pas contenté de parler, il a hier soir concrètement pris le téléphone, il a pris le temps de parler aux chrétiens d'Orient. Il a téléphoné à Erbil auprès de nos frères d'Orient. Et ça, c'est un geste de concrétisation qu'il aime aussi accomplir. Le pape appelle à la tendresse et de ne pas céder à la colère. Mais pourtant, la situation est de nature justement à se révolter, en particulier sur la situation des chrétiens d'Irak. Pourquoi il n'appelle pas à cette colère, puisqu'il les a eus au téléphone, ces chrétiens d'Irak? Quel est son message aujourd'hui? Il faut juste résister dans la tendresse, dans la douceur, est-ce suffisant? La tendresse, c'est pas mièvre. Hein. La tendresse, ça peut être actif dans l'action. Le chrétien et toute personne qui veut agir peut se sentir responsable. La tendresse, ça vient pas démobiliser les personnes. C'est pas quelque chose de sentimental, la tendresse. Oui, mais sur le conflit en cours, justement. Oui, le pape agit et je crois que nous devons tous agir parce que à plusieurs reprises, je me suis permis quand même de dire à la communauté internationale à quel point elle était trop lente. Et les chrétiens d'Orient souffrent. Il n'y a pas que eux d'ailleurs qui souffrent, il y a beaucoup de nos téléspectateurs aussi qui souffrent et qui nous regardent ce matin, et il faut vraiment un élan très grand, parce que je crois que si on laisse le zapping de l'actualité fonctionner, on va oublier que des minorités sont aujourd'hui complètement dans la détresse. À Erbil, on est dans un camp de réfugiés, on célèbre Noël dans quelles conditions? Si on veut que Noël ça soit la joie pour tous, la tendresse, ça devient très concret. Vous avez également célébré des messes de minuit à l'occasion de Noël. Est-ce que vous entendez plus de désespérance, plus de désarroi cette année 2014 et d'année en année chez les fidèles qui viennent vous entendre ce soir-là? Oui, certainement. Alors évidemment, les gens veulent marquer la trêve. Donc il y a cette journée de Noël où on essaie de suspendre quand même les inquiétudes. Mais j'entends effectivement que les gens sont désemparés. Il n'y a pas d'horizon. Pas d'horizon social, il n'y a pas d'horizon spirituel aujourd'hui. Et donc les gens sont en attente et on sent que la crise est profonde. On a eu hier les chiffres du chômage. Et il n'y a pas que le chômage, parce que ça touche aussi plein de raisons d'être. Il y a une vraie crise de civilisation, je crois, et on l'entend effectivement. Alors Noël est une journée, moi j'y crois évidemment en tant que chrétien fortement, où je crois on peut redonner un certain élan, un certain souffle. Au-delà de Noël, est-ce que vous avez le sentiment que la ferveur religieuse est encore capable de rassembler les hommes, les citoyens, j'allais dire, alors qu'on voit aussi la montée des intolérances au nom de la religion? Je pense que c'est justement le défi. Votre question est excellente, parce que si on se réveille, on viendra justement nous préserver, préserver la planète des intégrismes de tous bords. Il faut absolument que cette fraternité, cette tendresse dont parle le pape, l'emporte, parce que les religions sont là pour faire la paix, elles sont là pour créer de la cohésion, elles sont surtout pas là pour être sous les dévoie lorsque, au nom de la religion, justement, on pousse à l'intolérance. C'est condamnable, évidemment. Il faut absolument aucune langue de bois là-dessus, aucun intégrisme n'est supportable, d'où qu'ils viennent. Alors les dirigeants des religions qui coexistent en France semblent dialoguer, semblent communiquer, semblent être en paix. Est-ce toujours le cas du côté des fidèles? Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui les chrétiens, les musulmans et les juifs de France, les protestants, les catholiques sont en amitié? Est-ce que toutes ces communautés se dialoguent assez et sont assez finalement... ont le sentiment d'appartenir à la même communauté? Nous bénéficions en France d'une tradition de dialogue. Ça, c'est quand même très précieux. Un héritage de 40 ans de dialogue entre islam et christianisme, ça n'est pas rien, 40 ans de dialogue. Donc c'est très fort, ça. Ça nous aide beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problèmes locaux. Ça, vous le dites à juste titre. Les communautés locales ont parfois de grandes difficultés à cohabiter, à se comprendre, c'est évident. Mais je crois que cette force du dialogue, cette paix entre les religions, elle est désirée. Elle n'est pas seulement désirée au niveau des responsables. Il y a vraiment un travail de terrain. Et je pense que quand on peut construire ensemble des actions communes, actions sociales ou autres, ça favorise vraiment la paix. Vous avez lu et entendu des propos parfois stigmatisants sur l'islam, un amalgame qui est fait entre islamisme et islam. Est-ce que vous dénoncez cette tendance qui existe aujourd'hui? Tout ce qui stigmatise, le chrétien que je suis ne les supporte pas pour ma propre religion, je ne vais certainement pas les cautionner pour une autre religion. Et ce n'est pas comme ça qu'on avancera dans le dialogue. Le vrai dialogue, il se fait avec ceux qui désirent avancer, c'est évident. On en revient au pape François.
François, Monseigneur Potvin, s'est montré particulièrement sévère avec l'Église de Rome, l'Église du Vatican, ceux qui l'entourent, la curie du Vatican, les membres de la curie. Il parle pour eux de corruption des mœurs, de mondanité. Il y a quelques jours, hein, c'était une... Oui, pourquoi une telle charge? L'Église de Rome est-elle à ce point condamnable aux yeux du pape François? Alors, je vous rassure tout de suite, si vous prenez un guide médical et que vous le consultez, vous n'êtes quand même pas atteint de toutes les maladies que contient le guide. Vous me rassurez de suite, vous n'êtes pas atteint de toutes les maladies. C'est un peu ça que fait le pape. Il donne la liste de toutes les tentations spirituelles de la curie. Ça ne veut pas dire que chaque membre de la curie porte toutes ces maladies, Dieu merci. Pourquoi fait-il ça ? Expliquez-nous. Il le fait parce qu'il veut vraiment redonner de la simplicité, il veut revenir à l'essentiel. Et il s'applique à lui-même cette exigence. Et cette liste, elle est impressionnante, elle est même un peu sévère. Mais quand elle vient d'un pape aussi bon, aussi intelligent. Bon et rugueux à la fois. Bon et rugueux, ça veut dire que c'est une sorte de feuille de route. C'est la feuille de route. Parce que l'Église en a besoin aujourd'hui. Oui, l'Église en a besoin, et pour moi le premier. Mais je dirais, c'est une question de crédibilité. Si on veut être crédible aujourd'hui sur le terrain, si on veut prendre des positions de société, des positions dans le monde, il faut que l'on soit le plus cohérent avec la source de l'Évangile. C'est ça que veut le pape François. Mais il ne juge pas d'une façon personnelle tel ou tel membre. À la curie romaine, il y a énormément de gens qui vivent de façon désintéressée leur travail au jour le jour. Mais il y a ceux qui ne le font pas et c'est à eux qu'ils s'adressent. Oui, mais sans fustiger, c'est la liste spirituelle des choses à convertir. Monseigneur Potvin, comment appréciez-vous le débat qui va s'engager cette année en 2015 sur la fin de vie? Le rapport remis par les députés Jean Leonetti et Alain Claisse préconise un droit, je cite, à la sédation profonde et continue pour les malades qui en auront exprimé la volonté. Est-ce que pour vous, c'est une solution sage? Alors là, il y a beaucoup de vigilance à tenir. Moi, je refuse qu'on théorise là-dessus, parce que la vraie question, elle est celle de l'accompagnement. En préparant cette émission, j'entendais l'annonce du décès d'une personne qui a été vraiment très longtemps souffrante, et sa fille a pu bénéficier d'un congé d'accompagnement. Et cette personne est morte dans la paix. Combien de personnes souhaiteraient vivre cet accompagnement jusqu'au bout? Est-ce que notre société va réformer les questions de fin de vie en favorisant l'accompagnement? Pour moi, la vraie question est là. Je redoute toujours ces questions de sédation. C'est quoi la sédation? J'aime pas trop qu'il y ait de l'euthanasie non dite. Notre position, c'est une sorte d'euthanasie pour vous. Je le crains. Notre position, elle est très simple. Elle est très simple. C'est non à l'acharnement et non à l'euthanasie, mais oui à l'accompagnement palliatif. Que la personne ne soit pas seule. Il ne faut pas changer la législation qui existe aujourd'hui. Mais il faudrait déjà la connaître, déjà l'appliquer. La loi Leonetti est méconnue et les soins palliatifs ne sont pas assez développés. Alors, si on entend dans le débat législatif vraiment concrètement que les soins palliatifs vont se développer, alors il y aura du bon. Mais je suis inquiet et vigilant sur ces questions de sédation. On vous a parfaitement entendu. Merci beaucoup, Monseigneur Potvin. Merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Très bonne journée. C'est à vous, Thierry. Et joyeux Noël à vous également. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Belle journée à vous.